Il y a un dieu dans cette urne? Une relique d'un dieu, Osiris. Seth l'a piégé avant de le tuer. Sa dépouille a été découpée et les reliques éparpillées dans les sables d'Égypte. Khemsit était sur le point de venir à bout de celui-ci. Si Osiris est mort, à quoi bon en posséder une relique? Ce n'est pas si facile de tuer un dieu. Osiris n'est pas tout à fait mort. Si nous reconstituons son corps, il revivra. Mais si Khemsit réussit à détruire une seule relique, tout est perdu. Du calme là-bas! Nous sommes tombés dans une embuscade. Apportez la relique d'Osiris à la ville! Arcanthos et ses hommes sont tombés dans une embuscade dans le canyon. Il faut les sauver. Faites vite! Levez rapidement une armée avant que Khemsit s'enfuit avec la relique d'Osiris. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Edge of Technology là, pour la mission 13 avec la campagne La Chute du Trident. Donc là on va devoir récupérer cette relique et la ramener à notre base rapidement. Donc là je vais faire un truc tout de suite, j'active mes pouvoirs. Ensuite ici, Bastion de Migdol, j'ai formé 10 archers et 10 méharis. Je vais avoir besoin de tout ça rapidement pour venir à bout de ce que je vais avoir besoin. Bon là, grâce au pouvoir des ancêtres, là, je commence à ramener la relique. Donc là, je ramène tout de suite mes unités pour être tranquille. On a aussi des unités de 7 qui pourraient nous être utiles, par exemple. Mais là, pour le moment, c'est pas important. Donc là, il faut commencer à ramener la relique. Arcanthos, Ajax. Oui, on a un arbre, en fait. Donc là, on va avoir des drapeaux. Là, je mets les prêtres là à ce moment précis. C'est très important pour la suite. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, les reliques. On a déjà les prêtres qui arrivent. On a une dizaine d'archers sur char en plus. Je pense que ça devrait être suffisant. Je vais les améliorer quand même. On a une relique là, mais dans cette mission, il n'y a pas vraiment d'importance à le faire en fait, parce que vous allez voir pourquoi. Je ramène tous mes héros là. Alors, où amènera vite des pêches, on a besoin de toi. Qu'est-ce qu'ils nous envoient là? Des méharés, ok. Donc autant dire qu'ils feront pas le poids. On a 9-10 prêtres, je ramène tout de suite toute notre cavalerie ici, on en a besoin. Nous on a d'autres trucs, ok. Je ramène tous mes héros là parce que vous allez comprendre pourquoi. Attention ici avec les prêtres. Nos prêtres vont soigner rapidement nos unités blessées. Je vais aussi booster les dégâts par les unités mythiques. Et mon frère Ramsès, t'es où, t'es là? Va au temple, vite, on en a besoin. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est les serpents. Si ce ne sont que les serpents. N'aime pas beaucoup ça. Regardez. Restez en alerte. Là, je mets mes prêtres là. Et vous comprenez pourquoi je mets mes prêtres là. Regardez ça. J'ai bien fait de les foutre là parce que... Par contre, la cavalerie, si vous pouviez arrêter de faire n'importe quoi, s'il vous plaît, merci. Très très bien. Allez, avance, ma bonne. Est-ce qu'on a perdu un prêtre dans l'histoire? Même pas, par chance. Donc là, mes hommes d'armes vont retenir les méharés, même s'ils sont pas adaptés au combat contre eux. Là, c'est une mission assez rapide à faire. Et derrière, il y a une autre colonne de lanciers qui arrive. Mais bon. Ah, mes hommes d'armes sont quand même bien démerdés. Ok, ils envoient des hommes d'armes aussi. Là, on va avoir des tireurs qui vont massacrer cette colonne d'infanterie. La relique arrive tranquille ou dans le temple. Donc là, cette mission elle est tellement facile. Donc en gros, moi, je rush vite les prêtres. 10 archers sur char et 10 méharés, ça suffit, quoi. Hop, ils se font massacrer jusqu'au dernier. Aucun n'atteindra la relique. Enfin, peut-être un, mais il sera loin. Et voilà, donc c'est une mission rapide, hein, clairement. Pas de grand défi pour ceux que ça intéresse.
Et voilà, relique à la maison. Mission accomplie. Et voilà, donc c'est la fin de cette mission assez simple. Hein, donc pour cette semaine, vous aurez une autre vidéo, parce que 5 minutes de vidéo pour cette mission, c'est un peu court, je trouve. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre affaire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Si vous souhaitez me soutenir la chaîne ou moi ou autre, n'oubliez pas la page Tipeee, donc en faisant un don ou en regardant une vidéo de 15 à 20 secondes environ. Et voilà. Je vous dis à la prochaine les amis, c'était Kaiser von Kerstein, merci d'avoir suivi et à bientôt.